Mesdames et messieurs, le Club des neiges de Sorel-Tracy souligne ce soir ses 50 ans. Avant de saluer certains de ses artisans avec une remise de prix, prenons quelques minutes afin de revivre, ensemble, l'histoire du club. Voici 50 ans de motoneige à Sorel-Tracy. Je sais que dans les années 60, 70, en 69, les fondateurs, M. Boulay, M. Salva et M. Cloutier, eux, c'est une gang de chums qui se sont rassemblés. Il y a une chose que je suis fier, c'est que Sorel-Tracy, on est dans les 3 premiers du Québec. C'était des clubs indépendants, il n'y avait pas de fédération. Puis nos fondateurs avaient dit dans le passé, un jour, ça va se connecter à la grandeur de la province. Puis aujourd'hui, ils sont là. Ah oui, mon ami Jacques, il dit, un jour, on va aller dans des places pas mal plus loin. Là, tu sais, il avait vu ça, là, lui, puis il dit, on peut se rendre à Québec, on se rend à Québec avec ça. Ça me fait chaud au cœur parce que quand on a commencé ça, le monde ne nous voyait pas. Et on avait été invité, on avait été à une émission de télévision à Sherbrooke. Puis le gars nous avait interviewé. Puis moi j'avais dit, là, on est venu en autobus, mais dans un certain temps, on viendra en motoneige. Ils vont en Gaspésie, ils vont partout. Les meilleurs souvenirs que j'ai eu, moi, c'est quand on a relié Drummondville sur le côté, puis Béville, à Béville. Ça, c'était vraiment là, un très bon bout. On a eu des directeurs dans ce bout-là qui nous ont aidés beaucoup. Fait que ça l'a aidé à relier. Ce que j'ai aimé le mieux de faire, parce que relier les sentiers, quand tu dis que tu pars de Sorel, tu t'en vas je sais pas moi, lac Saint-Jean. Puis si c'est pas relié à nulle part, tu peux pas aller loin. Là. Tu fais le Sorel puis à la Pierreville, ça va pratiquement pas à peine de sortir de motoneige du garage. Oui, ben on était un petit groupe, puis on se tenait ensemble, puis on laissait faire les autres. On faisait nos affaires, puis on laissait faire ceux qui critiquaient. Des critiqueurs, il y en a partout. Tu sais, les sentiers, moi je les connais, ils étaient à Sorel, puis ils se rendaient à Saint-Robert, au domaine des Épinettes. C'était une grosse randonnée, ça prenait la journée à aller là. Aujourd'hui, en 2018-2019, on va déjeuner à Drummondville ou à Victoriaville. On n'avait pas de trail. Fait que collecter des cotisations, tu les offrais quoi? Une écution pour mettre sur leur habit. Nos trails étaient pas belles, on n'avait pas de rien pour les préparer. Fait que là, j'avais été acheter un B12, c'est comme un skidoseur, mais c'était pas fait pour ça. Mais il n'y avait pas d'autre chose dans ce temps-là. On était les premiers à vouloir, puis dans 1969, ils ont fondé le logo et le Club des neiges de Sorel-Tracy Incorporé. Ce qui était plus compliqué, c'est la machinerie qu'on n'avait pas, qu'on a pris ce qu'on a pu trouver. On a fait faire des grappes, mais c'était pas comme aujourd'hui. Par contre, ça, on se dépannait avec ça. Ça allait beaucoup mieux. C'est avec ça que tout s'est amélioré. Les trails sont faits plus belles, plus en plus belles. Puis là, on allait plus loin, puis on voyait les idées des autres, puis ça s'améliorait. On s'améliorait, nous aussi. On est devenu un des gros clubs. Moi, je trouvais que c'était merveilleux. Puis on avait une équipe, franchement, qui était formidable. Il y avait comme des frères Verdeville, puis ils ont fait des grattes aux autres, des bénévoles comme Pierre-Henri, un autre, qui nous a aidés beaucoup. On avait de très très bons bénévoles, puis ça allait très bien. Les membres, ça ne zigonnait pas pour rien, ça ne chialait pas pour rien. Écoute, c'est le nerf de la guerre. Les cultivateurs, sans eux autres, le Club des neiges, il n'existerait pas. Les sentiers de motoneige du Québec n'existeraient pas. Ça, il n'y a pas de secret. C'est les remerciements, on les fait aux bénévoles. Sauf qu'on parle environ 25 000 bénévoles au Québec, mais on parle peut-être, j'invente un chiffre, peut-être 300 000 propriétaires terriens. Il y a 33 000 km de sentiers. Fait qu'imaginez, le nombre de 100 eux, il n'y a pas de sport. Fait que tout vient de eux, on les remercie, puis je les remercie toujours. Mais c'est eux qui ont la clé du succès dans leurs mains, là, tu sais. Oui, parce qu'au début, les gars se promenaient tous avec des pinces à broche dans les poches pour traverser les champs des cultivateurs. Ça a Bon, quand on commençait à faire signer des droits de passage, on a eu du trouble avec les cultivateurs, parce que les clôtures étaient coupées à bien des places. Même les cultivateurs faisaient de la motoneige aux autres ici, fait que, ils ont travaillé avec nous autres pour les trails, là, pour faire de quoi de bien. On était favorisés par les agriculteurs. Par contre, le directeur de Pierreville, Marion Dupuis, c'était un bon gars. C'était un gars qui connaissait beaucoup de monde à Pierreville. Donc, je parle de Pierreville, puis, mais par contre, Saint-Robert, Gamaska, Tracy, même, la ville nous a donné des droits de passage. Comme pour aller au bateau, on a demandé le droit de passage à la ville. On a eu le droit de passage pour aller au bateau, parce que la seule endroit qu'on peut traverser pour aller sur le côté nord, c'est à Sorel. Je félicite ceux qui sont là-dedans. Là, M. Salva, il a donné un grand coup là-dedans. Parce que c'est super beau, ça, maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup de travail dans l'ombre. Pour ceux qui l'ont fait un gala, justement, pour mettre un visage derrière les bénévoles. Mais oui, on parle d'environ 1000 membres à Sorel-Tracy. C'est un record en 2017-2018. Nous espérons l'avoir encore cette année, 2018-2019. Mais on parle d'une cinquantaine de bénévoles. On parle de 193 km de sentiers, on parle d'une soixantaine de ponts à inspecter chaque année, dont 4 machineries. C'est beaucoup, beaucoup de travail, les subventions, le ministère du Transport, la comptabilité. On va vous dire, il faut vraiment bien s'entourer. Puis Sorel-Tracy, je pense qu'on a une super équipe, on est très chanceux d'avoir des gens impliqués comme ça. La Fédération a fait beaucoup de changements dans la province de Québec. C'est une jeune organisation depuis 3-4 ans. Ils font un travail exemplaire. On sait que la carte de membre, des fois, on parle qu'elle est chère, qu'elle est dispendieuse. Écoutez, il y a des assurances d'un demi-million qui viennent avec ça maintenant. Mais dans un futur, il devrait y avoir des sentiers beaucoup différents parce qu'il y a des lois qui vont nous obliger à se conformer. On parle de lois, d'exemple, les développements domiciliaires qui sont énormes. Mais nous, il faut s'adapter à la demande. C'est un petit peu comme la faune, hein? On bûche des arbres et les oiseaux s'en vont se loger ailleurs, tu sais. Mais on a le même problème. Mais la Fédération travaille beaucoup, beaucoup pour redevenir avoir des sentiers permanents pour qu'un jour, on ait pu à modifier nos sentiers. Puis, de plus, là, il y a les ventes de cartes en ligne, il y a les éco-sentiers, qui est une très bonne chose qui aide les propriétaires terriens à le démontrer notre volonté d'avoir des sentiers sains. Sorel-Tracy, il y a une chose que je tiens à dire. Dans les moments de tempête, dans les moments qu'on a fait face au vent, on a toujours su se relever les manches. Ça l'inclut du poseur de piquet, le bénévole, à la présidence, à la comptable, aux caisses, aux entreprises financières. Le club est en très bonne santé financière, mais en très bonne structure. Les droits de passage sont conformes, sont signés, nos assurances sont conformes, les ponts majeurs sont faits. On a 2 surfaceurs neufs qu'on a achetés d'une valeur de 600 000 les 2 surfaceurs. Fait on laisse le club en bonne voie. Je laisse le club en bonne voie, mais je ne serai pas loin. Je suis toujours là pour le coup de main. C'est le poste de président qui me prend trop de temps un petit peu. Le Club des neiges de Sorel-Tracy remercie chaleureusement les membres, les bénévoles, les propriétaires terriens et tous les intervenants locaux qui ont contribué depuis 50 ans à son développement. Merci à tous pour ces 50 belles années et longue vie au club, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent aussi pratiquer ce si beau sport.